J'ai choisi cette image de la Première Guerre mondiale où l'on voit une file de soldats français aveuglés par un gaz. Cette image me fait penser à un tableau de Pierre Bruegel du XVIe siècle, la parabole des aveugles. La parabole des aveugles, c'est aussi une parabole du Christ où il pose la question « Est-ce qu'un homme aveugle peut guider un autre homme aveugle ?» C'est un peu malheureusement l'état de l'humanité maintenant. C'est des leaders aveugles qui guident des populations aveuglées vers un destin, pour le moins qu'on puisse dire, incertain, si ce n'est pas vers un fossé certain. Il est temps que plein d'aberrations qui étaient acceptées avant soient complètement refusées. Il est temps qu'on travaille pour la venue de l'homme nouveau, d'un monde nouveau. Il faut une révolution globale qui va travailler pour améliorer la condition des humains, pour un peu plus de justice, un peu plus d'humanité. C'est un peu le combat de la Croix-Rouge et c'est le combat de plusieurs personnes à travers le monde qui doivent unir leurs forces pour un avenir meilleur. Ce qui me touche énormément aussi, c'est que j'ai vu des scènes, beaucoup de scènes de soldats blessés durant la guerre au Liban. Et je pense que ce concept de chair à canon durant les guerres, ça devrait. Enfin, il faut trouver le moyen de ne plus avoir des guerres. Il ne faut pas seulement remédier aux conséquences de la guerre. Il ne faut pas seulement soigner les blessés. C'est un combat, bien sûr. Ce n'est pas un combat, c'est une vocation noble. Mais je pense qu'aussi, il faut trouver, remédier à la cause de toutes les guerres.